Bonjour, Anne Duyck, responsable marketing chez Valerstat France. Nous sommes aujourd'hui entre Bordeaux et le bassin d'Arcachon pour vous présenter notre nouveau semoir monograine Tempo L, trémie centralisée. Le Tempo L est notamment reconnu pour avoir battu le record du monde il y a 4 ans, 502 hectares en 24 heures. Nous allons bientôt démarrer la parcelle. Nous attendons Hugo, créateur de contenu sur YouTube, qui discutera avec Loïc des nouveautés et des particularités de cette nouvelle machine. Bonjour à tous, je suis Loïc de la société Valerstat France. Nous sommes ici sur une parcelle d'une centaine d'hectares où nous apprêtons à mettre en route notre nouveau semoir monograine Tempo centralisé TPL 16. Voilà, dans des conditions qui s'y prêtent aujourd'hui. Donc nous allons semer aujourd'hui du maïs. On attend Hugo pour débuter. Il paraît qu'il y a un petit peu de route pour venir jusqu'ici, juste en dessous de Bordeaux. Donc on l'attend avec impatience et on va pouvoir débuter. Bonjour. Bonjour Hugo. Bonjour Hugo. Ça va? Ça va et toi? Avec le beau temps. C'est moi qui le ramène de la Bretagne. Ça a été la route? Ah bah ouais, nickel, impeccable. Donc je te présente Loïc, mon collègue, et Victor de la concession Agri 33. D'accord, enchanté Victor. Enchanté. Donc Hugo. Là, on est prêt à partir pour la démo avec notre nouveau semoir trémie centralisé. Ok. On t'attendait pour débuter. Donc ouais, on a quand même du boulot aujourd'hui. Hein. On a une belle parcelle d'une centaine d'hectares à semer, ouais. En maïs, donc voilà, là on a fait les derniers réglages, on est prêt à partir. Donc, bon bah du coup normalement aujourd'hui c'est Victor notre chauffeur, donc je propose qu'on commence. Allez, c'est parti, suivez-moi. Bon Hugo, je vois que Victor il vient d'allumer la soufflerie, donc on est prêt à partir. D'accord. Donc le principal avantage de cette machine, c'est vraiment que tu peux le voir sur chaque unité de semis, on n'a plus de bac, on n'a plus de trémie de semences individuelles. La seule trémie que possède la machine, c'est la grosse cuve que tu vois ici. Elle fait 3000 litres et elle va alimenter en autonomie tous les rangs un par un. D'accord. Le vrai avantage du client, ça va être un gain de débit.
Tout simplement, on va économiser tous les temps de remplissage que l'utilisateur peut faire avec un semoir normal, avec un sac, et qui des fois peut représenter facile entre 1 heure et 1 heure et demie de chargement par jour. Sur des machines comme ceci, on peut facilement envisager entre 150 et 200 hectares de semis à la journée sans aucun problème. La machine s'en va, ça dit qu'on la suive? Ouais, ça serait pas mal parce que vu la longueur de la parcelle, à mon avis, à pied, on va avoir un peu chaud. Bon, ne t'inquiète pas, j'ai ce qu'il faut, prends tes affaires avec toi, on y va. Ok, et toi Anne? Je vais rester ici, je vais faire quelques photos pour les réseaux. Ah ouais, ok, ça marche. Bon, à tout à l'heure, ouais. C'est pas évident de courir dans le sable en plus là. Bon, t'es prêt? Ouais. Allez, c'est parti. Alors, comme tu peux voir ici, les conditions sont très particulières. On est sur du sable noir, très typique du pays, hein, entre guillemets, dans la région de Bordeaux et dans la région des Landes. Donc, c'est un sable qui est très soufflé, très souple. D'accord. Donc, du coup, on a besoin d'avoir un semoir qui porte énormément, avec très peu de pression au sol, afin d'avoir un placement très correct en termes de profondeur. La particularité du sable également, c'est qu'il se casse très facilement avec le temps. Donc du coup, il faut qu'on arrive à déposer une graine correctement à intervalles réguliers, à une profondeur adéquate, mais sans pour autant trop tasser la graine. Donc c'est vraiment tout l'enjeu du système. Environ une cinquantaine de machines qui tournent sur le secteur et maintenant du coup des machines de plus en plus grosses. Ouais. L'intérêt également de la machine, c'est qu'on est en pression hydraulique, donc on va pouvoir gérer facilement la pression de l'élément au niveau du sol. Donc ici, comme on est sur des sols très très peu tassés, on a des pressions minimes, et comme on est sur une pression hydraulique, on peut même diminuer la pression du rang et du coup faire du négatif, c'est-à-dire transférer du poids de l'élément sur le châssis général, ce qui permet de vraiment pouvoir semer dans des conditions optimales en terrain très léger. Est-ce que tu peux t'approcher là pour quand il fait demi-tour que je fasse des belles petites images, s'il te plaît? Et là où je veux suis garé sur le Massif 8000 du coup avec les réserves, c'est l'ancien modèle. Alors sur le là où je t'ai garé à côté, on est sur un Tempo L également de la même gamme, mais avec des trémies standards, on va dire des trémies avec des unités et une trémie individuelle par an. Donc c'est une gamme que l'on propose toujours hein, en globalité. Le Tempo centralisé ici sur la gamme L est le premier de la série chez nous. Ça va sûrement se démocratiser avec le temps, mais là-haut simplement tu avais simplement le même modèle mais avec des trémies individuelles. Ok. Et après la cuve jaune dessus là-bas, qui est celle-ci n'a pas? Alors la cuve jaune là-bas, c'est quelque chose que l'on vient d'innover cette année. C'est un partenariat avec le CFUV juste. Donc on est sur une trémie d'azote liquide totalement intégrée au châssis de la machine, d'une contenance de 4500 litres avec cuve de rinçage, etc. Pour les gens qui souhaitent notamment dans le secteur et ailleurs, de plus en plus, développer la fertilisation liquide au niveau du sillon. Donc on a développé quelque chose en interne avec un CFUV juste pour répondre à cette demande-là. Ok. We'll be right back.
Bon alors Hugo, qu'est-ce que tu as pensé de cette journée? Bah moi je suis content de découvrir un semoir monograine sans trémie individuelle comme ça, j'étais pas au courant que ça existait. Je pense que mes abonnés, la plupart, n'avaient jamais vu ce type de semoir non plus, donc ils vont découvrir ça dans la vidéo, ça va être une super chose. Et voilà, donc le fait d'avoir le Gator aussi dans des belles parcelles comme ici dans les Landes, non, ben, ce qu'il faut, hein. C'est avantageux, merci à Agri33 pour ça. Et tout était de notre côté pour faire une bonne vidéo, le massé qui marche bien. Eh bien, en tout cas, pour nous, ça a été un vrai plaisir de t'accueillir. Nous te remercions de ta visite dans ces belles régions, entre guillemets, du sud de Bordeaux. Bah, merci à vous. C'était, pour l'invitation, c'était agréable aussi de voir ça en action. D'accord. Et puis, si un jour, bah, tu passes en Suède dans un nouveau voyage, bah, n'hésite pas à nous prévenir. Et ça sera avec grand plaisir que nous ferons visiter l'usine et là où sont conçus nos tempos. Bah, avec plaisir. Il faut que tu me dises où c'est qu'ils sont construits, la ville. Et moi, je mets GPS, Google Maps et j'arrive et je te dis je suis là. Écoute, pour la ville, c'est pas compliqué. Tu tapes Vaderstadt parce que Vaderstadt, c'est conçu dans la ville qui s'appelle Vaderstadt. Ah ouais, d'accord. Le nom de la ville. Donc, ah ouais, donc pas là, compliqué à trouver. Je vais retenir facilement. Et puis, on se rejoint là-bas. Dans ce ok, cas. Ça avec marche. Avec grand plaisir. Bon, ben, je te dis à la prochaine et merci. Et ben, à très bientôt. Ouais, salut. Marche.